Tu fais quoi, là? C'est quoi? Vas-y, barre-toi! Barre-toi de chez moi! Bon, tu peux me laisser parler au moins 2 minutes? Mais j'en ai rien à foutre de ce que t'as à me dire! T'es qu'une merde, ok? Tu sers à rien! Je te demande une chose, une putain de chose, mettre une veste, c'est pas si compliqué? T'as envie qu'il se noie? Tu peux me laisser parler 2 minutes? T'as quoi à dire? Hein? C'est quoi? Ta mère qui t'a appelé? Du coup, t'étais ailleurs? Tu t'es cogné le petit orteil contre le meuble, peut-être? Ou non, encore mieux, t'as eu un entretien d'embauche en anglais, sauf que t'es pas foutu de parler un mot d'anglais. J'ai juste déchiré la veste, les remplacer, c'est tout. J'ai juste déchiré la veste et je l'ai remplacée. Je t'ai dit de dégager. Barre-toi. Si je passe le pas de la porte, tu me revois plus. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? J'ai pas faim. T'as passé une mauvaise journée? Tu sais, t'es pas obligée de me parler, hein. Sauf que t'es pas très intéressante. Donc c'est bon. Te fais pas chier pour la conversation, en fait. Merci. On va faire une soupe, peut-être. Une bonne soupe à la carotte. J'ai pas faim, je t'ai dit. Pour dormir, c'est très bien, une soupe. Ouais, ok. En fait, t'as pas compris, hein. Je veux juste que tu dégages, c'est tout. Je vais le dire à mes parents. Mais je t'en prie. Soupe à la carte. T'aurais pu t'arranger pour plagier quelque chose qu'on n'avait jamais lu. Qui vous dit que c'est moi qui l'ai plagié? Bon, écoute, tu vas arrêter de nous prendre pour des idiots. T'as vu ta moyenne et la sienne? Ah ouais, d'accord. Si, je vais t'expliquer quelque chose. Si t'as rien envie de faire de ta vie, ça te regarde. Il faudra pas venir nous voir dans quelques années pour nous expliquer qu'elle est médiocre. Vous rêviez d'être proviseur, vous? Ça vous amenait où, d'être bon élève? Ici? Oh, super, quelle vie, ça me fait rêver, hein. Passer ses journées derrière un bureau à gérer des étudiants, c'est vraiment une carrière ambitieuse, ça. J'aime ce que je fais. Et vous faites quoi, à part casser les couilles? Ok, très bien, t'as gagné, t'es viré. Vous savez la différence entre vous et moi, monsieur le proviseur? C'est qu'il y a 10 ans, vous étiez peut-être l'élève parfait, mais vous aurez marqué personne dans l'avenir. Tandis que moi, mauvaise note ou pas, je sais que je suis capable d'écrire de grandes choses. Et dans 10 ans, on se souviendra de moi. Parce que cet essai que vous admirez tant, c'est moi qui l'ai écrit. Sacha m'a juste payé pour que je le refile. Bonne journée. Vivre sans avoir peur de tout, mais j'ai l'impression que je pense trop, j'attends trop de toi. J'en demande trop. Mais ça, c'est moi. Je sais que je suis excessive. Mais c'est le seul putain de truc qui fait que je suis là, tu vois. Et même là, j'ai l'impression que j'échoue à être moi. Et je sais que les progrès, ça prend du temps. Mais tu vois, j'ai l'impression que j'avance, que c'est bon, et je retombe encore plus bas. Comme si je fonctionnais à l'envers. Je pense que je suis dysfonctionnelle. Et personne ne peut me réparer. Tu peux pas me réparer. C'est trop tard.